La candidature de Pierre-Carl Péladeau qui n'a pas fini de faire réagir. Les candidats libéraux qui accusent la première ministre Marois d'avoir manqué de jugement en proposant la candidature de Pierre-Carl Péladeau à Christine Saint-Pierre et Robert Poitier. Vous les voyez, ils soulignent que le propriétaire du Québécois sera en conflit d'intérêts s'il est élu député. Il condamne ce double standard en matière d'éthique de Mme Marois qui avait beaucoup insisté pour que des députés libéraux vendent leur compagnie. À leur avis, Pierre-Carl Péladeau doit choisir entre la politique et les affaires. Les médias sont essentiels dans une société libre et démocratique. Monsieur Pierre-Carl Péladeau est actionnaire de contrôle de Québécois, qui est un joueur majeur sur le plan des médias au Québec. Alors, on ne lui dit pas ce qu'on lui dit, c'est s'il veut rester en politique, qu'il vende.